Bienvenue sur le site de GeekATS. Donc aujourd'hui, on est au Jardin des Tuileries pour vous présenter le drone JGRC H31. Donc, il se présente comment ? Donc, il arrive sans les protections, il faudra les visser, sans les pieds, il faudra les visser. Donc, les choses intéressantes, c'est qu'ici, on a un interrupteur on-off, et ici, une alimentation pour éventuellement ajouter un module caméra. La batterie se met ici. Là, c'est donc il est censé être étanche, il résiste à tout. Alors je peux vous dire, c'est pas la première fois que je le teste, les hélices sont assez grandes, ce qui fait que lorsqu'il retombe, couper les gaz, c'est un défaut de débutant, on a l'impression qu'il tombe comme une feuille. Donc on peut le rattraper, il y a de quoi faire. Le vol est extrêmement précis, il n'y a rien à dire, un petit peu un manque de puissance et de vitesse pour les autres. Rapidement, la radiocommande, elle est hyper cheap, mais suffisamment efficace, elle est en mode 2, donc ça vous ne pourrez pas le changer. Alors il y a écrit mode 1, mais c'est absolument faux. On a tout ce qu'il faut au niveau réglage, qui ne servira à rien pour un débutant, parce que ce drone se destine clairement aux débutants. Alors l'init du drone est hyper facile. On lève, on remet ça, on fait un mouvement. Petite démonstration rapide. Sinon, autre particularité, ce sont les LED d'éclairage. Je ne sais pas si on les voit bien, mais ça c'est l'avant. Et ça c'est l'arrière. Donc on ne sait pas pourquoi ils ont inversé, mais c'est comme ça, on fera avec. Bon, il se fait pousser par le vent, évidemment.